Chef! Maison brûlée, mouillé en faute le camp. Ok, j'aurais quand même bien voulu savoir ce qu'il faisait celui-là. Moi, connard, chef. Lui dire, Cambodgien, zone, pas bon faire camarade avec Français blanc. Faire camarade avec Vietnamien, zone, même chose. Lui dire, Français foutre le camp d'Yen Bien Phu. Blanc, foutre le camp. Jaune, restez. Lui dire comme ça. Lui dire comme ça. Eh bien, écoute ce que je vais dire. Et traduis-le à tous ces rombiers qui rigolent. Le sang est rouge. Le rouge reste. Et il restera toujours ici, lui et tous ses camarades aussi. Toujours. Fais creuser les tombes. Et dans le village, hein, les tombes. Très joli, ton numéro. Mais c'est plutôt primaire, non, cette démonstration par les yeux. La preuve parle. Ne crois pas ça. Tu vois, en 46, les rebelles n'osaient pas nous tirer dessus, nous, les dieux blancs, parce que les balles leur retournaient sur la gueule, ils pensaient. Tu vois, au Cambodge. Perrin ! Oui ! Arrive ! J'ai l'œil, hein ? Pas dégueulasse, on dirait de l'anglais. Tu vois, au Cambodge, ils aiment les histoires merveilleuses, les signes du destin, les symboles. Ce sont des poètes, quoi. Mais toi aussi, tu es un poète. Un poète tragique. Coute ! En avant !